qui va manifester et l'autre monde tout qui décide pas manifester. Alors c'est une mobilisation vraiment qui t'est rassemblée en pile énergie et au niveau matériel, au niveau monde, parce que t'es gagné toute la police justement et qui était mobilisée. Et on a partagé avec la population hein, bilan partiel journée 7 février 2019 là et côté justement activité. Malheureusement, recensé un mort par balle au nord, un mort par accident de circulation au centre, 2 blessés par balle au niveau NIP, bien un véhicule PNH qui est endommagé. Évitez les mains parce que c'est sous téléphone non m'a diffusé et extrait de l'audio. Il y a 2 autres véhicules qui endommagés à l'ouest, 3 véhicules incendiés et 2 à l'ouest, une au centre. Gagné 14 policiers qui blessés par jet de pierre, dont 9 au centre, 4 sud-est, 8 au sud. Gagné tout commissariat au centre tout qui attaqué. Gagné 36 arrestations de fait. 13 à l'ouest, 9 l'Artibonite, 6 sud-est, 4 sud, 2 nip et puis 8 au centre. Merci. Donc, pour parler de la police, a souhaité présenter le bilan partiel de l'ensemble incident qui est venu à la manifestation. Ou bien, pendant la journée 7 février, officiellement, c'est 2 personnes qui mourent et 14 policiers qui, malheureusement, même gens avec qui mourent malheureusement, tout, qui blessés par jet de pierre. Donc, éventuellement, les gens qui ont manifesté ou bien l'autre monde qui étaient dans l'environnement côté policiers eux-mêmes, ils ont exercé une fonction qui s'est accompagné les gens qui ont manifesté et les gens qui n'ont pas manifesté. Je vais passer la parole pour premier à la ministre de Justice, là, Jean-Audi Ali, qui peut faire le point et commenter ensemble l'information. Merci. On a salué la presse qui est là avec nous, on a salué la population haïtienne pour comportement exemplaire pour le dégain judiciaire, pour maturité politique, parce qu'il n'a pas laissé le prendre en provocation par rapport à des messages incendiaires, incitation à la haine, incitation à la violence qui tapent circuler sur les réseaux sociaux. On a salué la population haïtienne pour maturité politique, on a profité pour nous féliciter la police là pour le bon travail qu'elle fait. La félicité pour le professionnalisme, j'en ai encadré manifestants, les gens qui ont exercé droit démocratique pour manifester. La félicité pour la capacité, les gagner dans le sens où les river l'unité des gars. Pendant la condamné et dénoncé casse qui fait, violence qui fait sous machine, sous caillou, sous monde. Nous condamner, nous déplorer violence à eux, n'a pas tiré attention que la loi permet de nous manifester. La police n'a pas accompagné tout le monde qui a manifesté, mais qui a manifesté suivant la loi. Mais tout le monde qui a fait violence, tout le monde qui a fait casse, nous n'avons pas tolérer ça dans la société. On a profité de dire que déjà, nous demandons des paquets pour mettre l'action publique en mouvement contre tout le monde qui participait. Nous avons brisé, bien nous, dans tout le monde qui a participé à incendier propriété, incendier caïmon, craser machine, fait attaque sur la police, fait attaque sur le commissariat de police, tout paquet dans la République, là, tout côté qui dit action, nous avons déjà reçu instruction pour mettre action publique en mouvement contre nous, parce qu'il y a des vidéos qui sont disponibles. Visage nous à eux, ils identifient eux, nous n'avons pas tolérer nos états de droit pour nous faire sale plutôt, pour craser, pour briser, pour en être arrivé. Et donc la justice a poursuivi nous à eux, l'action publique a mis en mouvement par le commissaire du gouvernement dans différentes juridictions pour éviter l'accès. Et de plus, on a profité pour demander à la population pour nous garder calme, vaquer à l'activité, la police a balle tout accompagnement, a bien la police dans la rue, dès demain, tout le monde est vaquer à l'activité sans inquiétude. Merci. Merci, population haïtienne, de reprendre l'activité normalement, toute activité courante.
dans la journée 8 février, là où il y a déblayé la police, CNE, SMCRS, tout investi espace côté manifestants, t'es la gay barricade, t'es mettre barricade, t'es mettre roche, t'es gagné plus social, et bien, il y a un gros travail, déblayé la rue, qui fait pendant tout après-midi, population capable de vaquer, et même à partir de la soirée, à toute activité courante, à toute activité habituelle. La parole pour qu'on y ait un ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Jean-Marie Ronaldo Bonnet. Monsieur le ministre. Merci. Bonsoir à la presse, bonsoir à la population haïtienne. Et par rapport à la manifestation faite aujourd'hui, il y a un pile casse qui fait, tant que le ministre de la Justice en se dit là, et il y a un pile mesure qui va prendre par rapport à toute casse qui fait. Il est un fait que, effectivement, on monde doit manifester. On monde doit revendiquer. En fait, nous-mêmes, comme l'État, comme gouvernement, nous attendons des revendications. Nous attendons ça, nous demandons de manifester. Nous comprenons que, effectivement, nous avons une situation de précarité. Côté gay, il y a des gens qui grand effectivement, côté dollar américain a monté, côté de la situation, côté tout le monde besoin de la manger. Et nous comprenons tout par rapport avec ça, il y a des mesures que le gouvernement prend, côté que il y a 11 mesures qu'il prend là par rapport à gens d'État à fonctionner pour réduire justement les conditions d'État à fonctionner. Et M. Sao, qui prend pendant le conseil gouvernement qui était en direct là, il va l'appliquer tout de suite. C'est une manière pour nous dire que, effectivement, l'on a manifesté selon la loi dans le calme, nous respecter, j'en ai revendiqué, nous-mêmes, on n'a pas accompagné. Dans M. Sao, nous avons côté ministre Affaires sociales là, prend des mesures pour la accompagner la population, ministre de l'agriculture à tout, bon côté parle, prend des mesures pour la accompagner la population, pour effectivement diminuer, ou du moins commencer à diminuer les conditions de vie. Dans ce sens, nous demandé tout le monde, toute population haïtienne, par rapport à ce qui passe aujourd'hui, hein, côté de l'État en responsabilité par rapport avec la police, avec la PNH, côté du fait manque de professionnalisme européen, comme d'habitude, et bien demandé tout le monde pour reprendre l'activité normalement dès demain. Là, on voulait parler de l'école, le commerce, l'administration publique. Il faut dire que l'État, la police, là pour assurer sécurité, bien monde et vie monde. Donc tout le monde reprendre l'activité normalement dès demain. Je vais juste ajouter un petit bagage. Par rapport avec les gens qui ont incité les gens à la violence. Nous remarquons ces derniers temps, nous avons utilisé les réseaux sociaux, nous avons utilisé les médias pour inciter les gens à la violence. Mais la justice en sort de là tout à l'heure. Gouvernement, justice payant, pas plaisiné, pas joué avec les gens. Nous parlons instruit justement, ou bien nous avons fait ça déjà. Au commissaire du gouvernement, justement, pour prendre responsabilité dans ce sens-là, pour faire ça, pour suspendre, justement, faire violence dans, et à partir des réseaux sociaux, à partir des médias. Encore une fois, on a pris des réunis, on a demandé tout le monde que reprenne l'activité dès demain. La police a pas assuré la sécurité, nous, tant que nous, la police était faite aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, là, c'est une conférence en pile tête qui baille après journée 1, fin passé, pour être capable de bailler un bilan. Et nous sommes tendus pour voir la police en après. Hein. Et inspecteur Gary de Rosier, ministre intérieur, là, Ronaldo Brunet, c'est ça? Mm-hmm. Ministre justice PIA, lui-même, qui était là. Et puis, il y a un secrétaire d'État. Sécurité publique, là, sous bilan ça. En tout cas, amis auditeurs, pour Pipiti, 4 moun mouri hier, dans la manifestation contre gouvernement qui t'a fait
dans en pile grande ville dans pays a particulièrement dans Port-au-Prince capitale là 7 février ça qui marque deuxième anniversaire président Jovenel Moïse sous tête dans en dans pouvoir dans peut-être pays an, malheureusement en deuxième année qui coïncidait avec démission li donc par moyen pour fait même tout champagne rit dans bouteille sauf si ou ta man fou ben si ou ta ouvert champagne pas connait entre amis entre famille et puis dans deuxième ville pays au cap haïtien et ben yo dit c'est là yo dénombré plus grand nombre victimes non semblé que il y a 4 jeunes qui mouri par balle dans moment échange soit coup de roche avec force de l'audio d'après ça nous apprendre des bonnes sources dans Mirbalè une jeune fille li mouri on l'a mort qui vraiment critique dans Jean Mourian mouri écrasé sérieusement côté cadavre là bay en pile tête chargée mais information fait connait que c'est dans moment la police t'a essayé et calmer ou bien et faire population rentrer dans l'ordre et puis lancer gaz lacrymogène chauffeur ça même qui prend un gaz fait bac al monter sous jeune demoiselle là Krabinel un jeune universitaire guerrier jeune universitaire donc qui t'a pas servi pays demain mais en même temps il y a une foule furieuse qui était très très en colère qui était voulu pénétrer en dans commissariat vilain côté où tu as lancé coup de poche sous policier affrontement ça fait en pile blessé dans mi-temps la population civile là dans mi-temps la police également yo même fait état que mon policier qui était pour un coup de roche dans moment que la reprendre et puis on mal intentionné passé li prend zam policier li met dehors dans capitale là ben c'est là et foule là plus immense si l'on constate la presse il y a 5 monde qui blessé en bas coup de roche il y a 6 machines qui cancanent pas manifestant dans Pétionville et il y a un pile business dans Pétionville qui te connaît mauvais moment hier il est puis gros cas qui vient c'est kadam ça machine en Merlan t'a boulé et dans parking la Kaili king la Kaili c'est triste et Potiwat ou t'es contre mauvais moment Potiwat t'es contre mauvais moment et t'es fait des interventions donc c'est une situation qui était vraiment dégénérée hier journée 7 février 2019 ça guerrier nous apprenons nous gon du feu et au niveau de Panaméricaine là dans un moment et au même cité pour nous qui local du feu ça apprend guerrier nous pourrions faire contact et n'a pas avec un consoeur bien entendu mais c'est avec 4x4 nous pour regarder et tout ça et dans quelques minutes encore mais tout le monde doit reprendre l'activité aujourd'hui hein, selon appel l'autorité yo continue à lancer mais question c'est avec qui garantie non on gagne contact non est-ce c'est à dire que nous sous piste là et ça fait mention de lui c'est parce que son consoeur qui fait une part de lui mais encore c'est notre téléphone nouillé donc 4x4 la gata gen signal là c'est sûr que la privée dans quelques minutes encore pour capable dire nous exactement côté sous panaméricaine bon information que nous gagnons mais nous pas cap citer là pour l'instant n'a fait contact avec Mackinson Rémy qui pral ban nous plus détails sous du feu ça la police te gon comportement exemplaire pendant journée hier selon direction générale la police nationale là qui féliciter policiers yo pour saluer les maîtrises mais surtout professionnalisme et savoir-faire yo dans occasion manifestation 7 février DG police nationale là parler comme ça dans un autre côté il fait qu'on était gain infiltration côté fait qu'on est n'a cité plusieurs agents victimes infiltration monde mal intentionné qui profilé koyo dans manifestation yo pour te mettre panique et créer chaos dans pays à côté t'a tiré sans aucune raison valable malgré ça la police ça t'est kembé calme lui elle t'a fait preuve de pondération particulièrement dans cas à Mirbalè dans plateau central côté au comté 9 policiers qui sont blessés au commandement police nationale là dit li fier pour comportement police là pendant encourager continuer contrôler émotion
pour pas prendre non provocation. Donc voilà pour notre félicitations en direction générale police là les adresser à policiers. Donc on note les voyer après événement 7 février et la police tout est voyé on note avant direction générale a voyé on note avant pour te annoncer que la police là prend toute disposition pour garantir sécurité et mounio. Donc je dis à direction générale là féliciter policiers pour comportement que t'es gagné pendant manifestation ailleurs. Yaye, est-ce que... Oui, bon, pas qu'on est-ce que... Faut se parler avec les citoyens pour moi. Qui t'a parlé non de, du feu ça, il dit qu'il prend dans la zone à Arise, hein, qui est dans la zone de Oasis. Ah oui, oui, panaméricaine. Oui, donc il dit que son complexe, il dit que c'est la radio Méga et tout. Donc, oui, oui. C'est ça que fait, il dit que son journaliste radio Méga qui est réel pour informer de situation. Donc, n'après le fait 4 par 4 là, aller pour à vérifier et pour nous, ou bien est-ce qu'il y a une possibilité pour nous apprendre Audner, nous quoi qui dans radio en fait qui a travaillé dans mairie Pétionville c'est mairie Pétionville qui a en fait intervention oui les pompiers mairie Pétionville qui a fait pour qu'il soit capable de arriver sous place 4 par 4 l'assemblée est déjà arrivée hein, nous on perd du signal là nous pour faire contact avec 4 par 4 là pour nous connaître exactement ça crivé sur panaméricaine là. En tout cas, il fait une part de du feu ça qui est affecté en bâtiment n'a pas aidé à Arise donc aussi c'est déjà et je crois que c'est dans zone ça bon on va monter, C'est là qu'il loge Radio Méga. N'abrogeons-nous tout à l'heure 4 par 4. Donc, dans 3 minutes, hein, c'est ça? Dans 3 minutes, 3-5 minutes, nous allons rejoindre 4 par 4. D'où la nécessité pour nous comprendre l'intervention que nous avons fait là. L'intervention que nous avons fait là, qui sens li et importance li, PRR, après une journée tête chargée comme ça, moi qu'à comprendre manifestant yo gen droit aller la caillou pour aller reposer mais l'état pas droit dormir l'état doit rester vigilant parce que n'importe mon guerrier qui gen problème avec un monde qui veut résoudre problème li avec un monde avec méchanceté li capable attaquer entreprise moun nan et puis la guerre responsabilité yo sous dos manifestant yo le manifestant yo rentre l'état même rentre là dormi et regardez juste combien l'état a gonflé et puis li livre pays à lui-même moun besoin al travail moun besoin al na activité yo moun yo peur par une circulation la rue en blanche là gen comme impression que ça t'a fait hier li galé na avantage même l'état Oui, moi c'est l'État qui a attaqué, moi-même l'État, moi-même Gale, Gale remet, Gale d'accord ça qu'a fait là. Parce que, un matin comme ça, c'est où t'as besoin que sécurité publique a fait vireron dans Pétionville, a fait vireron dans quelques entreprises, quelques moun yo, yo suspect qui en maskay, questionné yo, pendant sécurité publique a vireron, la police derrière, on pick up la police derrière, gen quiétude d'esprit, moi-même qui gen machine, moi qui fait transport, m'a pris les chauffeurs, m'a dou mettre sorti, al bay service. Est-ce que vous comprenez ça, mais l'État lui-même l'entrée dans Maron, l'État est en bas carbone, ça vient de montrer que ça que t'as fait, il y a été dans l'intérêt de l'État. En parlant de service, Bob C, présence pompier.